Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fantasy Life. Après une très longue absence, tout simplement parce que je n'avais pas envie de jouer au jeu, donc je n'y ai pas touché depuis la dernière fois. Pour preuve, on se trouve à Port Puerto, à l'endroit où on s'était laissé dans le coin. C'était ici exactement, et il fallait aller voir Manivelle. Alors, si vous voulez vous remémorer les épisodes précédents, je vous invite donc dans l'outro à cliquer sur la playlist de Fantasy Life et vous pourrez retrouver toutes les vidéos de ce jeu que j'ai faites jusqu'à ce jour, tout simplement. Donc c'est par là, moi je suis la flèche rouge qui est sur ma map, puisqu'il y a une flèche rouge. Regardez, où est-ce qu'elle est la flèche là? Madame la flèche, je la vois pas. Ah si, vous voyez que là, elle est là. Elle est là. Voilà, vous la voyez, c'est bon. Donc, du coup, c'est parti. Ça change de Animal Crossing, c'est vrai que là, ça change beaucoup. Alors, je suis, c'est déjà où il est. Parce que je me remémore quand même certains souvenirs. Oh, c'est encore vous. Vous ne buvez plus de jus d'orge? Mon ventre est plein à craquer. Et puis, depuis que mon ami a disparu, ça a plus trop le même goût. Dites, monsieur Manivelle, pouvez-vous nous aider à trouver Célestère? Vous arrêtez pas de parler de Célestère. Célestère par-ci, Célestère par-là. Ça n'existe pas, je vous dis. Vous passerez à côté de choses importantes si vous continuez à poursuivre ce qui n'existe pas. Alors arrêtez de me poser des questions sur Célestère. Ça, ça veut dire qu'il ne veut pas nous aider. C'est méchant. Je pense que Célestère existe. Non, j'en suis sûr. Et moi, je ne veux plus y penser. Sans l'entretien que je fais sur ces machines, aucun aéronef pourra voler. Et si aucun aéronef vole, eh bien, personne ne pourra être victime d'un accident. Et ces cailloux qui tombent du ciel, c'est un signe que personne ne devrait voler. Comme ça, aucun fou tenterait de chercher les trucs qui n'existent pas dans le ciel. Les aéronefs voleront même sans votre aide. Aurore et Pinson ont presque fini de préparer un aéronef pour son premier vol. Quoi? Aurore travaille sur un aéronef? Oui, il est presque prêt. Pinson n'est pas entièrement sûr d'atteindre Célestère avec cet aéronef. Mais il a dit qu'il ferait quand même de son mieux. Monsieur Manivelle, jetez un coup d'œil à ceci. Donnez pierre volante souvenir. Ah oui, c'était à Aurore. Qu'est-ce que... Ça appartenait et ça appartient à Aurore. Elle l'a toujours gardé. Elle avait cette pierre volante avec elle. Vous vous souvenez qu'enfant, vous lui avez promis d'utiliser cette pierre pour trouver Célestère. C'est peut-être un peu trop près, hein, je me rends pas compte parce que moi je regarde ma DS, mais je regarde pas l'appareil photo. Je pense que là c'est bon. Hein. Par contre, j'aurais peut-être baissé la luminosité, donc excusez-moi deux secondes. Ah, ben voilà, comme ça c'est mieux. C'est vrai que j'oublie un peu les réflexes, donc du coup c'était trop lumineux, mais là je pense que c'est bon. Cette pierre ne vous rappelle pas le bon vieux temps? Qui sait, t'as sûrement raison. Et il ne faut pas oublier, Pinson, il vous admire tant qu'il est venu jusqu'ici, juste pour vous voir. Il pensait pouvoir apprendre de vous, mais vous l'avez ignoré. Et pourtant, vous ne le voyez pas se plaindre. Il a juste continué à travailler sur cet aéronef. Ce satané aéronef. J'ai besoin d'un verre. Allez hop, alcoolo! Ce n'est pas vrai, vous allez encore boire un jus d'orge. Ah, non, pas ça. Je veux juste me rafraîchir avec un verre d'eau, puis je me mets au travail. Ah bah voilà! C'est ça que j'ai envie d'entendre. Merci bien, petit papillon. Ah voilà. Ça, c'est bon. Donc. Non, c'était pas la peine. Pinson, je suis de l'aurore, mais je peux rien faire avec ce fuselage. Même la pierre volante qu'Alia et toi avaient assemblée ne fournit pas assez de puissance. Donc c'est le fuselage qui nous fait perdre du temps. Je n'arrive pas à y croire. C'est la première fois que je te vois si abattu, Pinson. Là, ça me dépasse. Je ne peux pas construire un aéronef aussi bien que le patron. Ah, c'est bien vrai. Patron, c'est pas avec cette mentalité que tu y arriveras. Et moi qui croyais ce qui se disait sur toi, que malgré les épreuves, tu te plaignais jamais. Patron, c'est l'aéronef que vous avez construit? Plutôt stylé, on va pas se mentir. Pas mal. Patron, jamais j'aurais cru que vous deux puissiez construire un aéronef. Mais vous me coupez le souffle sur ce coin. Papa, un aéronef qui ne peut pas voler n'est qu'un tas de ferraille. Il a bien dit papa, on est d'accord. J'adore replay.
Peut-être que j'ai eu trop vite, je pense que j'ai eu trop vite parce que je pense pas qu'il y ait des papas. Ah ah, je vois que tu te souviens de ta toute première leçon ici. Les aéronefs ne sont pas des objets rares à exposer, il faut aussi les faire voler. Hey Aurore, ramène mes outils, tu veux bien? Hein? Oh, oui, juste une minute. Je vais vous aider sur tout ce qui peut être fait au sol. Mais une fois cette beauté dans les airs, elle sera entre tes mains, passons. Oui, patron, je comprends. Bien. J'ai fini. Ok, nickel. Voilà, je passe là, je skip un petit peu les logs quand même. Voilà. Ma pierre volante. Ah ouais, pardon, la pierre volante, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ou la pierre volante a brillé l'espace d'un instant? Son pouvoir serait revenu? J'ai peut-être halluciné. Bien, Xelti, on est sur la bonne voie. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol 01 à destination de Célestère est prêt à partir. En fait, qui va monter à bord? À part le pilote, il n'y a la place que pour une personne. Oh, dans ce cas, laisse Xelti y aller, s'il te plaît. D'accord, tiens-toi prêt, Xelti. Et bien sûr, moi aussi, je viens avec vous. Quoi? Moi aussi, je veux y aller, mais il n'y a qu'un sèche passager. Pas de panique, petite sœur. On est légère comme des papillons, toutes les deux. On ne compte pas comme de vrais personnages. Xelti, dis-moi quand tu seras prêt. Pas de soucis. On enchaîne. Pareil au grand voyage. Pas encore. Non, décollage quand même. Oh, oh, oh! Enfin que ça devient intéressant. Bon vol! Revenons en un seul morceau, vous avez compris? Ah, Xelti, j'ai le mal de l'air. Oh, ça fait bizarre pour un papillon. C'est le cerf. Quel genre d'endroit es-tu? T'es tellement optimiste. On n'est même pas certaine que ça existe. Bien sûr que si. Et c'est là qu'on se rend. Tu as travaillé si dur à construire cet aéronef. Eh, t'as aucune idée du travail que j'ai fourni. Ça te ressemble tellement de dire un truc pareil. Attachez vos ceintures. Pas de problème. On décolle. Je monte le... On décolle, on décolle. Ouais, je monte un peu le son. C'est parti. On vient de dépasser les nuages. Bon travail, Pinson. Tu sais, Xelti, ça me rappelle mon arrivée en Riveria. Moi aussi, j'ai fait zoom au travers de ces nuages. Et puis, que s'est-il passé ensuite? Ah, on aperçoit une île. Oh, regarde, regardez. Je sais pas si vous voyez très bien. Il y a une île. Excusez-moi de la qualité encore. Franchement, je suis désolé. Hop, je dézoome. Une île dans le ciel. C'est Célestère. Elle existe vraiment. Le vieux Nimbus disait vraiment la vérité. On a réussi, on a trouvé Célestère. Qu'est-ce qu'il y a, passons? C'est étrange. On n'a subi aucun dégât, il nous reste pas mal de carburant. Oui, bon, peu importe, emmène-nous à Célestère. Ah, je me souviens de cette sensation. Oui, je me sentais exactement comme ça la dernière fois. Je suis tombé la tête la première et je hurlais. Ah, il y a un problème là. Oh oh. Il y a un gros problème. Ah! Xelti, allez, réveille-toi. Bonjour, no. Xelti, ça va? Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui arrive au moteur. On dirait que nous sommes tombés de l'aéronef. En tout cas, personne n'a rien. Même moi, j'ai eu peur l'espace d'une seconde. On a de la chance de s'en aller sortir indemne. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? La température est assez basse. Par toute reconnaissance, ce sera sûrement le meilleur moyen de savoir où on est. D'accord. Il faut aussi qu'on retrouve l'aéronef. Oui, Yulia, faut qu'on s'active. Elle est passée où? Tu crois qu'elle a atterri à un endroit différent? Comme d'habitude, elle attire toujours les ennuis. Xelti, on doit trouver Yulia. Pinson a rejoint ton groupe. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc il est possible que du coup j'en fasse plus parce que ça va peut-être motiver un petit peu, voilà, cette petite vidéo. Donc voilà, sachez que je vous prépare. Donc là je vous parle un petit peu. Au niveau des parodies Animal Crossing, Stronger Than You, je ne pourrais pas la faire. Pourquoi? Puisque de base c'était quelqu'un qui m'avait proposé de la faire avec lui. Donc que je la mette aussi sur la chaîne. Mais en ce moment on peut jamais se voir. Donc c'est pas possible de la faire, donc il y aura quand même Symphonie vers Noël, je pense que ce sera pour aller des vacances.
Et vers la fin d'année, enfin, donc je pense très bientôt même, comme ça vous aurez le temps de voter, une vidéo arrivera sur toutes les intros et toutes les outros que je vous propose. Et ce sera à vous de choisir l'intro et l'outro pour l'année 2018, car oui, elle arrive à très grands pas. Sur ce, j'espère que vous aurez vraiment apprécié ce retour de Fantasy Life. Je compte faire plus de vidéos dessus, puisqu'il y aura un petit peu moins de vidéos d'Animal Crossing, et du coup, vu que je pense que j'ai fait le tour du jeu, pour en tout cas pour le moment, quoi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, bien évidemment vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout activer les notifications pour continuer à suivre l'actualité de la chaîne. Sur ce, c'était Xavier. Passez une très très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao tout le monde. Bye bye.